aujourd'hui, je vais vous présenter ma déco Octobre Rose. Donc, j'ai déjà posé le magnifique vernis LM Cosmétique. Il fait partie de la collection Octobre Rose. Il y a en tout 3 magnifiques vernis. Et vous pouvez les acheter pour un petit peu plus de 5 €. Et 2,50 € sera reversé à la lutte contre le cancer du sein. Donc, voilà. En plus, ils sont magnifiques. Donc, vraiment, ça vaut la peine de faire une bonne action. Ensuite, je vais utiliser une peinture polycolore. J'adore cette couleur, c'est le 256. Et puis, je vais utiliser un pinceau Raphaël, le 4-0. Donc, je vais tout simplement commencer par tracer mon ruban. Donc voilà le fond de mon ruban, c'est rien de compliqué, mais à certains endroits, vous voyez, c'est plus fin qu'ici, par exemple. Ça, j'ai réfléchi avant sur papier, donc j'ai dessiné mon ruban au crayon pour savoir où c'est que le ruban devait être plus fin et plus épais et où on devait mettre les ombres. Après, j'ai pris ma peinture blanche polycolore, c'est la 18. Donc je vais mélanger le blanc avec mon rose pour me donner juste une teinte en dessous, il ne faut pas que ce soit trop clair. Voilà, ensuite je vais venir mettre de l'eau sur mon pinceau et je vais diluer ma peinture. Voilà, donc je la dilue vraiment beaucoup. Pour que ça fasse un petit peu comme de l'eau colorée. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient à la fin. Donc j'en ai pris un petit peu sur mon pinceau et je vais venir colorer un petit peu les parties où je veux que ce soit plus clair pour donner de la lumière. Je reprends à chaque fois de mon eau colorée. Et je fais la même chose sur toutes les zones de lumière. Ensuite, je prends la peinture polycolore noire, la 530, et je fais le même principe, donc je dilue bien ma couleur. Pour obtenir ceci. Et là, je vais faire pareil, sauf que je vais colorier les zones d'ombre. Ensuite, je reprends la peinture normale, pas diluée, et je vais venir faire les contours du ruban. Donc là, attention, quand ça tourne et que ça devient fin, hop, on croise, on passe de l'autre côté. Et voilà, votre ruban est terminé. Il ne vous reste plus qu'à mettre une couche de top coat. Ça va unifier un petit peu tout ça. Voilà, donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas d'aller acheter la superbe collection LM Cosmétique. C'est les vernis ruban, ligue et dents qui portent très bien leur nom. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!